Bonjour amateur de savoir inutile. Aujourd'hui, on part à la chasse des lois de proba. Probabilité c'est un mot que tout le monde connaît et quand il est prononcé, on a tout de suite en tête un jeu de dés, un jeu de cartes, le loto, la météo. Mais saviez-vous qu'il n'existe pas qu'un seul type de probabilité Enfin, pour être précis, il n'existe pas qu'une seule loi de probabilité. Une loi de probabilité, c'est un outil qui permet de décrire le comportement aléatoire d'un phénomène. On peut voir ça comme un ensemble de formules qui permet de prédire ou du moins comprendre une expérience de probabilité. Et il en existe plusieurs. Le tirage d'un jeu de cartes, la prochaine séquence de l'euro ou des phénomènes astronomiques, tout ça sont des événements probabilistes mais complètement différents. Des lois de probabilité, il en existe beaucoup, mais je vais essayer de vous présenter le plus rapidement et clairement possible un certain nombre d'entre elles. On commence tout de suite avec la loi de Bernoulli. Elle décrit des événements avec seulement deux issues possibles, gagné ou perdu, et dit évidemment que si l'un de ces deux événements a une probabilité P d'apparaître, alors l'autre a une probabilité 1-P. Bon, on est d'accord, c'est loin d'être révolutionnaire, mais ne vous inquiétez pas, on va monter d'un cran au fur et à mesure. La loi uniforme discrète. Elle décrit des événements avec un nombre fini de possibilités et où chaque possibilité a la même chance d'apparaître. Dans ce cas, elle indique que chaque événement a une probabilité de 1 sur n, avec n le nombre total de possibilités. Par exemple, un dé a 6 faces possibles, et puisque chaque face a la même probabilité d'apparaître, alors on peut dire que chaque face a une probabilité de 1 sur 6. Une loi uniforme discrète peut être un cas particulier de loi de Bernoulli, comme par exemple un jeu pile ou face. La loi triangulaire. Si maintenant on additionne deux lois uniformes discrètes, on obtient une loi triangulaire. Par exemple, si on lance 2 dés et qu'on additionne les deux résultats, on a plus de chances de faire 7 que 2, simplement car il y a plus de configurations possibles pour faire 7 que 2. Eh bien, pour connaître la probabilité de chaque issue, on peut lister toutes les configurations possibles ou simplement suivre la formule de la loi triangulaire avec les paramètres adaptés. Ça permet de connaître les probabilités exactes dans des cas de figure où lister toutes les configurations est juste impossible calculatoirement. La loi binomiale. Cette loi permet de probabiliser le nombre de réussites d'une expérience de Bernoulli qu'on répète plusieurs fois et où chaque expérience est indépendante des précédentes. Jeter plusieurs fois un dé ou jouer plusieurs semaines de suite au loto, à chaque fois la probabilité reste la même et les jeux faits précédemment n'influent pas le jeu en cours. Grâce à la loi binomiale, il est facile de calculer que si vous jetez 10 fois un dé, la probabilité d'obtenir exactement 3 fois le chiffre 5 est d'environ 15,5% et au moins 3 fois le chiffre 5, environ 22,4%. La loi hypergéométrique. Comme la loi binomiale, elle permet de décrire le nombre de réussites d'une expérience de Bernoulli, mais où cette fois-ci les expériences ne sont pas indépendantes les unes des autres. Par exemple, une urne avec 20 capsules, 5 contiennent un prix et les 15 autres sont vides. Vous en piochez 3. On ne peut pas appliquer la loi binomiale car vous piochez les 3 sans remise. Lors du premier tirage, vous avez 5 chances sur 20 d'obtenir une capsule gagnante, mais lors du second tirage, il n'y a plus que 19 capsules et la probabilité dépend de la capsule que vous avez déjà tirée. Dans ce contexte de 3 tirages de capsules sans remise, la loi hypergéométrique nous permet de facilement calculer que la probabilité d'obtenir au moins une capsule gagnante sur les trois est d'environ 60%. La loi géométrique. Si vous répétez une expérience de Bernoulli plusieurs fois, la loi géométrique vous indique combien d'essais sont nécessaires avant de réussir. Vous jouez aux fléchettes et, étant donné votre talent, vous estimez que vous avez 5% de chance à chaque lancer d'atteindre le centre de la cible. La loi géométrique vous indique qu'au bout de 10 lancers, vous avez environ 40% de chance d'atteindre au moins une fois le centre de la cible. Et la probabilité que vous raflez le gros lot à l'euro au bout d'un an à jouer une grille à chaque tirage à raison de deux tirages par semaine est de 0,0007%. La loi de poisson. Cette loi de probabilité décrit l'arrivée d'événements soudains durant un laps de temps continu. Vous visitez un geyser d'eau chaude qui rentre en éruption de façon aléatoire, mais en moyenne 4 fois par heure. Vous n'avez que 30 minutes à votre disposition. Quelle est la probabilité que durant ces 30 minutes, vous puissiez observer une éruption? Avec juste ces paramètres, la loi de Poisson permet de dire que vous avez environ 86% de chance, durant ces 30 minutes, d'observer au moins une éruption. La loi uniforme continue. La loi uniforme continue permet de modéliser l'apparition d'un événement sur un laps de temps continu donc où l'événement a autant de chances d'apparaître à chaque instant. Vous attendez le bus qui est censé arriver entre 13h et 14h. Quelle est la probabilité qu'il arrive entre 13h30 et 13h45 13h30 et 13h45 représentent un laps de temps de 15 minutes, soit un quart de la taille de l'intervalle total que représente l'heure entre 13h et 14h. La probabilité est donc de 1 chance sur 4, soit 25%, taille de l'intervalle considéré divisé par taille de l'intervalle total. Mais si maintenant je veux connaître la probabilité que le bus arrive exactement à 13h30, eh bien 13h30 est un intervalle infiniment petit de taille 0. Donc si on essaye d'appliquer la formule que je viens de dire, on obtient une probabilité de 0. Et en effet, la loi uniforme indique que chaque instant séparément a une probabilité de 0. Or, vous allez me dire, il est tout à fait possible que le bus arrive exactement à 13h30. Eh bien là, faut comprendre deux choses. La première est que même si le bus arrive et que je vois sur ma montre 13h30, intérieurement, on ne raisonne pas en instant T précis, mais en micro intervalle. Si sur ma montre il est 13h30, en fait, il est entre 13h30 et 13h30 et 59 secondes. Mais combien même on laisse ça de côté Vous allez me dire, le fait est que le bus arrive à un instant T. Or la loi uniforme me dit que cet instant t avait une probabilité de 0. Eh bien c'est ça qu'il faut comprendre avec les probabilités. Le fait qu'un événement ait une probabilité de zéro ne veut pas dire qu'il est impossible. Il veut juste dire qu'étant donné nos connaissances, nous ne pouvions pas savoir qu'il allait arriver. La loi exponentielle. Celle-là, je l'aime bien parce que j'ai eu l'occasion de m'en servir dans un contexte pratique. Elle permet de modéliser le temps d'attente avant la survenance d'un phénomène, très utile pour évaluer la durée de vie d'un appareil électronique et donc savoir si une extension de garantie vaut la peine d'être prise. Vous voulez acheter une télé qui a une durée de vie moyenne de 2 ans. Elle possède une garantie constructeur de base de 1 an après achat et le vendeur vous propose 1 an de garantie supplémentaire payante. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser plus d'argent pour cette extension de garantie Eh bien, juste avec ces paramètres, la loi exponentielle nous donne beaucoup d'informations pour prendre notre décision. Avec juste ces informations, la loi exponentielle permet de calculer que la probabilité que la télé tombe en panne avant un an, donc que seule la garantie de base serve, est de 39%, et la probabilité que la télé tombe en panne entre un et deux ans après achat, donc que l'extension de garantie soit vraiment utile, est de 23%. Et la probabilité que la télé tombe en panne après 2 ans, donc qu'aucune garantie soit utile, est de 38%. Et si on ajoute à ça les informations que sont le prix de la télé et le prix de cette garantie supplémentaire, avec un calcul d'espérance probabiliste, on obtient un résultat clair si oui ou non cette garantie vaut le coup. Spoiler, dans la très grande majorité des cas, non. Puisque les durées de vie des appareils et les prix des extensions de garantie sont savamment calculés pour que en moyenne ce soit les constructeurs et les vendeurs qui soient gagnants. Et enfin la loi normale. Elle modélise beaucoup de choses en fait. La taille moyenne des individus, le poids moyen des haricots verts, le prix moyen des habitations dans un quartier, et vous remarquez une constante dans ces trois termes que je viens d'énoncer, et oui, le mot moyen. Très utilisé par les statisticiens, la loi normale décrit un phénomène sur une population des personnes ou des animaux ou des objets, qui vont chacun avoir une valeur numérique, des tailles ou des prix ou des âges, de sorte qu'il y ait une sorte de situation type plus fréquente que les autres et seulement quelques individus qui s'écartent de ce schéma. Toutes les asperges ont globalement la même taille, mais ça arrive d'en trouver des très petites ou des très grandes, mais c'est plus rare. Reconnaître une loi normale est très facile puisque si vous comptez tous les individus en fonction de leurs valeurs respectives, vous devriez voir apparaître une très belle courbe en cloche qu'on appelle aussi courbe gaussienne. Et il est même possible de tracer exactement cette courbe en fonction de deux paramètres. La valeur moyenne qui définit la situation type et l'écart type. Est-ce que les individus vont avoir des résultats proches de la valeur moyenne Auquel cas ça va être rare de trouver des individus qui sortent de ce schéma type. Ou est-ce que, non, finalement, c'est pas si rare que ça de trouver des extrêmes d'un côté comme de l'autre Et donc, du coup, ça veut dire que quand on calcule la moyenne, eh ben, on tombe pile entre les deux. Si je visite une maison à un certain prix, connaissant le prix moyen du mètre carré dans ce secteur et l'écart type estimé, je peux savoir si le prix de cette maison est standard ou s'il est exceptionnellement bas ou exceptionnellement élevé. Je peux même estimer ma probabilité de trouver une maison dans ma tranche de prix. Pour ça, il suffit de diviser l'aire sous la courbe dans ma tranche de prix par l'aire de la courbe totale. Un peu comme la loi uniforme continue en fait. Et voilà un petit tour d'horizon rapide des lois de probabilité, des outils qui pourraient vous être utiles un jour. Et même si ce n'est pas le cas, ça reste tout de même un bon moyen pour briller en société. A plus!